Non, pardon, je suis pas. Partager le direct. Bon, je mets rapidement. Boucle. Il faut quand même que je sois. Je mets rapidement les boucles. Partager le direct. Maman, Seigneur, les Camerounais vont nous tuer. Qui a le numéro de la première dame? Qui a le numéro de la première dame? Carrément. Qui a le numéro de la première dame? Partagez le direct. Les filles, le Sissia ne passe pas. Partagez le direct. J'ai le numéro de la première dame. J'ai le numéro de la première. Partagez le direct, si. Ok. Ok. Le numéro de la première. Ma page est restreinte. Maman Colette, partagez. Bon sang, maman. Ouais, rêve bien. C'est vendredi, on dort. Pourquoi partager le direct? Je me fais rapidement une toilette. Partager le direct. Elle a la poche taillée que vous voyez, la courte femme là que vous voyez. Elle a les longs bras au Cameroun. Elle a le numéro direct de madame. Ah, si. Voilà. Et voilà que tu crois qu'elle est vraie. Va te sauver, va, ne va pas te sauver. Ne pense pas que Paul Désir va te sauver parce qu'il vient de mentir ou Yonidas, qu'ils connaissent des gens. Yonidas n'est qu'un porteur de sac. Paul Désir n'est qu'un petit communicateur. Partagez le direct. Je ne donne pas le nom. Donc, c'est par les voix. Il n'y a pas match. Moi, je tiens la poche Cayenne que vous voyez, la courte femme là que vous voyez. Elle a les longs bras au Cameroun. Stella a le numéro direct de madame Biya. Je vous donne tout. L'exclusivité, ça serait moi qui va donner l'exclusivité ici sur Facebook. Je te jure sur la tombe de mon père. Moi, je te dis ça. Je te mets au défi, Pipito. C'est moi qui va donner, sauf si c'est le camp. C'est là qui va d'abord t'arrêter. Là, je n'aurai pas d'exclusivité. Mais si c'est mon camp, c'est moi qui va biper tous les voisins. Je vais leur dire que biper les voisins, c'est chaud, on saute, biper tout le monde. Et c'est moi qui va annoncer que on t'a arrêté et tu es dans telle cellule. Je vais même donner. Et la poche Cayenne que vous voyez, la courte femme là que vous voyez, elle a les longs bras au Cameroun. Stella a le numéro direct de madame Biya. Je vous dis, Evra, que tu crois qu'Evra va. Va te sauver, va ne va pas te sauver. Ne pense pas que Paul Désir va te sauver parce qu'il vient de mentir ou Yonidas, qu'ils connaissent des gens. Yonidas n'est qu'un porteur de sac. Paul Désir n'est qu'un petit communicateur de chez qui? Je ne donne pas le nom. Donc, bonsoir, Julien Zombie. Maman, j'étais accouchée, je vais seulement lever, j'ai mis ça vite. Moi, je tiens la poche Cayenne que vous voyez, la courte femme là que vous voyez. Elle a les longs bras au Cameroun. Stella a le numéro direct de madame Biya. Ok, donc, elle n'a pas appelé la première dame pour dire que... Je dis, hein, donc, je fais le petit direct pour dire stop, encore une fois, au trafic d'influence. Ne soyez pas intimidés. Donc, je vais appeler mon journaliste, c'est un coup direct, hein, parce que je vais me coucher. Je vais appeler mon journaliste, il va vous expliquer
ce qui s'est passé, zéro trafic d'influence. Les autorités du Cameroun ne vous connaissent pas. Oui, ils ne sont pas dans le faux. Les autorités du Cameroun ne vous connaissent pas. Les autorités du Cameroun ne sont pas dans le faux. Vous avez insulté mon journaliste. J'appelle mon journaliste et il vous explique. Oui, 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 il vous explique. C'est un coup direct parce que je voulais bien me coucher. Il m'a dit que rêve. Voilà. Bonjour, bonsoir, Paul Désir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Joyeux Noël. Merci, Joyeux Noël, Paul. Moi, on apprend à l'instant, là, tu nous apprends que maman Apollonia a été libérée. Oui, elle peut vous dire bonsoir. Hey! Hein? Elle est là! Non, passe. Allô? Maman Apollonie! Oui! Bonsoir, maman! Bonsoir! Dieu soit loué! Oui! Tu vas bien? Oui! Ça va! D'accord, maman! D'accord! Donc, tu es libre? Oui, je suis libre comme de l'air! Ouais! Maman, on a tout dit sur Meta! Oui! Dieu merci! Oui. Merci, maman. Merci. Ce qui compte, c'est que je sois dehors. Le reste, on va continuer à se battre. C'est clair. Merci, maman. Merci, Apollonie. Oui. Donc, j'ai en exclusivité la maman Apollonie Ngono, qui est libre. Oui. Maman, il y a les gens qui se sont inquiétés. Tu peux leur dire merci aussi? Oui, bien sûr. S'il te plaît, tu dis merci à tous ceux qui sont inquiétés. Parce que si on t'écoute, là. Oui. Vous avez compris. Donc, maman Apollonie, oui, elle dit merci à tout le monde. Merci beaucoup, maman. Merci. Voilà, je dis merci à tout le monde. Donc, voilà, tout le monde qui est là, qui m'a soutenu. Ça n'a pas été facile. Beaucoup d'émotions, mais merci. C'est votre énergie qui m'a permis de tenir le coup, vraiment. C'est ce soutien-là. De savoir qu'il y a des gens dehors qui te soutiennent. Merci, maman. C'était vraiment très, c'était très intense. Merci. Mais j'ai gardé le moral grâce à vous. Merci, maman. Oui. Merci. Repose-toi bien, maman. Repose-toi bien. Oui. Merci. Ok, à la prochaine. À la prochaine, maman. Merci. Oui. Allô? Mon journaliste parle ici, là. Ils ont dit que quoi? Je dis, mon journaliste dit quelque chose. Les gens te suivent. Comment? Tata Lolo est là, Julien Zombie est là, Dina Mbala est là, Marine Ouel est là, Julie Noël est là. Dis quelque chose, mon journaliste. Bon, je pense que le meilleur commentaire a été fait par elle. Donc voilà. Il y a certaines situations qui parfois méritent qu'on s'implique et après quand ça marche, on ne peut être que fier, quoi. Donc, merci. Moi, je ne vais pas dire autre chose. Je pense que on a reçu cela comme on l'appelle et notre réaction a pu aider à quelque chose. Je crois que c'est ce qui est mieux, c'est ce qui est bien pour tout le monde. Je sais aussi qu'il y en a qui ne seront pas du tout contents, qui n'acceptent pas, certains à qui ça fait mal. Donc, oui. On est désolé, mais bon. Quand on estime avoir bien fait quelque chose qui est bien, c'est ça qui est important, quoi. Merci à notre journaliste, le journaliste de l'Olomania. Merci beaucoup. Merci à notre journaliste et à tout le monde pour votre soutien. Donc, maman Apollonie est dehors, elle avec le journaliste Paul Désibia. Ok. Bon, merci beaucoup. Sois béni, mon journaliste, sois béni. Lolo dit sois béni. Lolo dit mon journaliste sois béni. D'accord, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Bon, j'ai fini le direct, non, les filles. J'ai fini. Allez dormir. On va Apollonie dehors. Zéro trafic d'influence. La vidéo où j'ai mis là. Qu'elle a dit que le numéro de la première dame. Partagez la vidéo là. Partagez ça partout. La première dame est une personne morale. On ne joue pas avec. Donc, ma Polonie est dehors.
Moi, m'avait dormi. Il fallait que je me pomponne un peu pour vous parler. Donc, maman Apolline Gonnet dehors. Elle, en ce moment, avait le journaliste Paul Désibia. Oui, le journaliste de l'Olomania. Vous allez vous sauter, vous caler en l'air. Sauter, caler en l'air. Zéro trafic. Je veux go au pays. Vous allez m'arrêter. On va m'amener au parquet. Je veux sortir. Parce que c'est mon Cameroun. Je suis camerounaise. N'ai pas peur de vous. J'ai le courage du lion. J'ai le courage du lion. Donc, bonne nuit à vous. Merci. Tu ne demandes pardon à personne. C'est tout. Tu ne demandes pardon à personne. La prison est faite pour les hommes. Pas pour les animaux. Valéa Mougou, tu vas attendre le pardon là. Dans ta grosse tête. On va mettre ça dedans. Aucun pardon. Aucun pardon ne vous sera demandé. Vous avez compris. Il y a les présidents qui sont en prison. À plus forte raison, une pauvre citoyenne lambda, dont le journaliste Paul Désibia, un autre journaliste, il s'est battu avec tout ce que ça comporte. Maman Apollonie est dehors. On lui dit merci. On dit merci au gouvernement camerounais qui ne s'est pas laissé intimider. On dit merci à nos autorités. Ils ne sont pas là à l'école pour vous. Ils n'ont pas fait des nuits blanches parce que vous allez les appeler que « Madjona, j'ai dit qu'on m'a arrêté. Ne tu où ? Ngon, ça n'existe pas. » Si vous voulez être des autorités, allez à l'école. Si vous n'êtes pas là à l'école, vous vous asseyez pour dire que « Lola Fodja, je vais t'arrêter. » Fermez vos gueules. Fermez-la. Les autorités camerounaises représentent le Cameroun. Ils ne sont pas là pour vous. Vous avez compris? Maman Apollonie va venir. Vous allez lire. Vous avez compris? Je dis merci aux autorités de mon pays. Je dis merci aux autorités de mon pays. Ne vous laissez pas manipuler. Cette dame qui dit qu'on a insulté, elle-même, ils ont insulté. Aucun sicaire ne passera. Le procureur du Cameroun est là pour moi, pour vous. Il est là à l'école pour nous. Il n'est pas là pour vos coups de fil. Vous allez arrêter ça. Vous n'allez pas salir l'image de marque d'un procureur parce que vous allez téléphoner. Allez à l'école. Vous avez compris? Voilà. Donc, Valéa Mougou, va tourner au lac. Dégage. Va, je dis, dégage. Dégage. Va loin. Voilà. Donc, maintenant, je suis avec ma grande soeur, nous, on va chop. Merci à vous. Merci. Restez focus. Pourquoi citer le nom d'une première dame? Je sais, Julien Zombie. Voilà. Donc, vous parlez trop. L'exclusivité, c'est la Lolomania. Tata Lolo TV. Maman Apollonie Ngono est dehors. On a tout le dossier. Honte à vous. Qu'une gueule m'a insulté. Mof, vous n'avez pas insulté les gens. Elle m'a insulté. Elle m'a calomnié. Mof, Valéa Mougou, j'ai dit que tu es trop bête. Tu as compris? Va me porter pour le Cameroun. Tu es trop bête. Tu es bête, c'est même plus bon. Bonne nuit à vous. Donc, je n'insulte pas les bassins ce soir parce que. Ce sont mes gens. Ouais, rêve bien. Ouais, elle m'appelle de luxe. C'est ma personne maintenant. On n'est pas dans la haine. On rigole. Vous avez pris la fille de Bami Pawa. Vous avez voulu instrumentaliser ça. Les pères de lui vous ont dit que ce n'est pas un problème. On peut dire Ekan Pawa. On peut dire Passa Pawa. Ce n'est pas l'incitation à la haine. Vous aurez honte. Vive le Cameroun. Vive le président Paul Biya. Vive les Bamileke. Vive les Ekan. Vive les Bassa. Vive Paul Désibia. Vive Maman Apollonie Bongono. Vive Tata Lolo TV. Allez sauter, calanle. Vous avez compris, non? Et quand on a fermé vos bouches. Kenge, elle va l'encodengi. J'ai l'exclusivité. Elle va l'encodengi. Bonne nuit à vous.